on est revenu ici. Ouais, c'est bon, j'ai relancé. Bonsoir. Vous allez, toi, Yoré. Attends, je termine de fermer dalle là. Avec le petit café. Ouais, le café, j'ai le café. Youh, j'ai le café. Bon, Rémi, on fait l'expédition ou pas là? Non? Ouais, bah on les attend là, mais je sais pas ce qu'il y a. Oh! Vous êtes où? Bah, il faut vraiment que je les fasse ces trucs en or parce qu'à chaque fois que je vois toi et comme ça, je me dis c'est. Surtout qu'en plus, le design que j'avais fait dessus, il est pas mal quoi. Il faut vraiment que je le fasse. Bah oui. Et la petite correction de celle en diamant. Près du cul. Ouais, il faut que je corrige le dos de celle en diamant aussi, ouais. Pourquoi y'a quoi? Mais Rad, vas-y, ton toit, ouais. Non, voilà, monte-nous ton derrière. La partie qui est en bas, ouais, voilà, merci. Attends, ça va mieux? Non, la partie derrière en fait est trop carrée, il faut que je l'arrondisse un peu. Ah ouais, ok. Ouais. Oui, pas mal sinon. Bon, ça devrait être bon là, on va pouvoir y retourner. Go. Go. Tire. Quel est les tirs? Restez bloqué. On va peut-être dans les plafonds ici aussi pour aller plus vite. Alors remarque, moi je me ferai un autre passage. Ah, je suis dans ta tête. J'aime bien. Il y a un qui marque, je crève la dalle. Aïe. Alors, au niveau des entités, il y en a 3 qui sont par là-bas. Oh, purée, non, mais je pense qu'on les a pas fait des pop. Hein. Combien? J'ai plus grand chose moi là. Plus grand chose, hein. Moi franchement. À droite du slash, j'ai 65. Ah, vers le plafond j'en ai 10 par là. Ouais, au-dessus il doit y avoir des cavernes. J'en ai 8. Ouais, mais c'est pas grave parce que de toute façon, nous on va être pratiquement au-dessus. 30 plus bas donc. Le spawn il est plus par là. Donc c'est pas problématique. Ah ouais, il y a la glowstone là-bas. Ouais. Ça va, ça spawn pas sur la plateforme là-bas. Ça va, c'est pas mais trop mal. À droite du slash, moi j'ai 65. Ouais, mais à gauche, c'est le nombre d'entités qui spawn. Non, 65, c'est la quantité spawnable. Voilà. Il y a un magma cube qui a spawné. Hein dans... Ils ont changé ça? Non, ça a toujours été ça. Il y a un magma et cube à gauche, qui a c'est dans le nombre d'entités qu'il y a sur ton écran. Tu le vois dans l'end. Dans l'end, généralement, t'as 90. Et on dépasse pas les 3-4 autour. Il y a que en haut, et encore. Non, ça dépop en haut. Il y a un ghast. On est à 4-5 par endroit. Non, c'est pas mal. Hein. Ouais, mais il a dû spawn quand on est passé. Yep. La quantité spawnable, c'est spawnable, pas c'est ça si mal. Ouais, c'est la quantité spawnable. D'ailleurs, tu le vois dans l'end quand tu vas sur toute la partie que tu t'amusais à torcher. On est à 0 ou à 1. Ouais. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'endroit où c'est spawnable. Ah, je pensais que. Ouais. Fait demi-tour, ce qu'on a. Ah oui, moi je pensais que c'était les mobs qui ont spawné, mais qui sont pas forcément dans ta vision, quoi. Belle trap. Oh, oui, il y a des pop. Oh, salaud. Il nous a troll. Oh, ça devient chaud ici, hop, des pop. du coup, eh bien, on va commencer à se faire la zone. Ouais. Alors, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de regarder le live. Je vous montrerai vite fait le design que j'ai fait. Et puis après, on en discute et vous me dites ce que vous en pensez. Du coup, il faut que je me déconnecte. Je reviens après les pépitos. Après les pépitos? Ah non, attends. Je vais juste chercher mon paquet. Bah du coup, je vais en profiter pour aller récupérer du matos à la maison. Et l'autre, il reste comme ça, là, en plein milieu. Bah ouais. Hop. T'es, tu m'accompagnes parce qu'on va avoir besoin de blocs. Ok. Pépito, ok. C'est bon. Ah mais c'est bon là au niveau des pépitos. Bon, on ira chercher les blocs après alors. À la limite si tu... Bah non, allez, je me déco. Single player, c'est... Wither Farm. Je crois que c'est celle-là. Yes, c'est celle-là. J'ai besoin voilà de la bête. Ok. C'est très rouge. Pépito. Ah bah ouais, oui, c'est rouge, d'accord. c'est à cause des effets. Eh, toi, qu'est-ce que tu fais là? Voilà, va mourir.
Alors, la machine, comment qu'elle fonctionne en fait? Il y a une Mettre cloque qui est l'appareil. ici. Voyons. Voilà. La machine est ici. On va le faire, pas magma cube. On va faire avec Skeleton. C'est vrai que c'est très rouge. Et Blaze. Dans le principe, en fait. Ah non, est-ce que j'ai relié le dessus? Attends, je sais plus. Non, j'ai pas relié le dessus, mais c'est pas grave. Le dessus, je sais comment le relier. En fait, dans le principe, quand tu auras un Wither qui va être ici, ou un Pigman. Voilà, ou un Blaze. En fait, ils se font grinder. Donc, t'entends celui-ci qui subit des dégâts. Le Blaze, c'est pareil. Hop. Ça pique, ça pique. What? Pourquoi ça s'est pas ouvert dessous? Ben voilà. Ah, ils ont pas tombé. Ah oui, d'accord. Pas tout cassé. What? Ça s'ouvre plus en dessous? C'est quoi ce délire? En fait, tu tues les pigmen et les blazes avant juste d'ouvrir la trappe, quoi. Non, en fait, normalement, il devrait pas mourir. Attends, je capte pas pourquoi. Attends, ça c'est pas mal. Ah oui. Voilà. Les zombies ici. Parce que des tonnes. Et Blaze. Voilà, tout le monde se fait grinder. C'est la fête. Voilà. Ils tombent tous, mais ils tombent tous, ils ont un demi-cœur en fait. Et les Blaze vont tomber doucement. On peut rallonger ici la cloque. La rallonger, la renforcer. Faudra voir ici. Ouais, il y a un truc que j'avais pas percuté ici. Ah, donc tu J'en ai tues tout le rien. monde en fait. En fait, tu tues tout le monde, mais les Wither Skeletons en fait ne subissent pas de dégâts. Alors, je te montre ici. Dans quel but? Ben, dans le but de les faire eux, en fait, c'est pour trier. Cette machine-là, en fait, elle va trier les mobs. Hop. Hop. Tu vas voir. Donc les Wither Skeletons, tu vois, qu'ils subissent pas de dégâts. Donc les Wither Skeletons, eux, en fait, ils vont faire une chute pour être à une demi-cœur. Les Pigmen, il leur reste un demi-cœur, donc à Meurt. peine tu les tapes, ils meurent. Les Blaze, c'est pareil, mais les Blaze, eux, ne subissent pas de chute, puisqu'en fait, ils ne chutent pas, ils vont descendre tranquillement. Et eux, par contre, ils sont full vie. Ici. Et les Blaze, du coup, tu les Alors butes à la main après, quoi. pour les Blaze, tu peux les tuer à la main, et en fait, ce qu'on fera sur la machine, c'est on mettra un petit Un truc en grinder au niveau plus, de la mais je tête, sais quoi. pas où le mettre. Non, pour ajouter du délai, en fait. Parce que tu as la possibilité de rajouter du délai, mais le problème c'est que là j'injecte dans le celui qui est en dessous ici. Je vais le faire différemment. Hop, on va le faire comme ça. Ok. Voilà, donc là normalement tout le monde devrait mourir et ça devrait quand même s'ouvrir en dessous. Fais le test. Non, je suis con, parce que je rallume ici, en dessous. Ouais, j'ai un bug ici. J'avais pas pensé à ça en fait. En fait, cette torche-là me remet du courant là. On va Le rester design dans est ce de qu'on qui du avait tout coup? à l'heure. Cette cloque là, elle est de moi. Cette cloque là qui tourne sur elle-même, en fait, le design est de moi. Le mécanisme du grinder en deux, c'est inspiré de ce qu'il y a sur. Je crois que c'était Six ou moi qui en avait parlé.
En fait, alors ça c'est en version snapshot. Si jamais vous le voulez en version pas snapshot, à la place de mettre le grinder ici, vous mettez les slabs. À la place de mettre des blocs entiers, faut mettre des slabs ici. Je sais pas pour quelle raison les hitbox ont dû être modifiés, et ça fonctionne pareil en fait. C'est-à-dire que tout le monde prend des dégâts sauf les Wither Skeletons. Et les Wither Skeletons, en fait, dans ce cas-là, ne prennent pas de dégâts. Puisqu'en fait, ils ont la tête qui est au-dessus du bloc. Ils sont sensibles que de la tête, en fait, les Wither. Donc, il faut pas les taper dans les pieds. Bah, comme tous les mobs, en Non, fait. c'est rigolo. Mais Ouais, pour apparemment, les non. grinders. Enfin, pour les grinders, c'est tout le temps comme ça? Bah, il me semble. Enfin, je vois pas quel autre mob. À part, ouais, les ghasts, quoi, ils vont les toucher au centre. Mais en même temps, c'est Ouais. une grosse tête, le gaz. Non, Donc sinon, je vois pas que le mât. voilà pour le truc. Et après ici en fait, alors ce qui est en cobble, ce qui est en cobble, ce qui est en stone, c'est la zone de spawn. Donc en fait, on a la possibilité de mettre trois colonnes. Une ici, une ici. Est-ce qu'on peut en mettre quatre, hein? On va pouvoir en mettre quatre en fait. Et en fait ici, et ben après on fait le miroir de celle-ci. Quoique ça sert à rien puisqu'ils vont être. Ils vont fonctionner avec un mécanisme de bud, normalement. Torche. Enfin vous avez capté le mécanisme un peu? Non? Ouais, c'est bon, ça marche. Alors pourquoi avoir fait ce design-là? Parce qu'en fait les designs actuels bug à cause des magma cubes. Les magma cubes en fait ils peuvent pop dedans et ils ne subissent pas de dégâts. Je sais pas pour quelle raison. Et en fait en fonctionnant comme ça, en les balançant une fois à droite, une fois à gauche, ils finissent par tomber dans le grinder ici et ils finissent par subir les dégâts comme les autres. Coucou les gens. Mais je pense que j'en ferai une vidéo de ça. On a pensé la même chose. Oui oui non j'en ferai une vidéo de comment le truc fonctionne mais après le design je l'ai quand même en tête. Donc déjà en premier ce que je vous propose c'est de définir cette zone là ici. Alors par rapport à ce bloc là on descend de 1, 2, 3, 4, 5e bloc. Donc la zone de spawn c'est sur le dessus de ce bloc là. Enfin là on est sur la zone extérieure. Voilà. Là ici c'est spawnable et là on est en dehors de la forteresse et c'est plus spawnable. Donc 5 en dessous, et par rapport à celui-ci, normalement je crois que c'est 4, 1, 2, 3, 4, pardon, 5 aussi, et cette zone-là est spawnable aussi. 1, 2, 3, 4, 5, et 1, 2, 3, 4, 5 pour le dernier. Et pour le Vous avez faire tomber suivi? avec les pistons, là, tu... C'est une cloque? En fait, pour le faire tomber avec les pistons, ben, tu vas le voir ici. En fait, les pistons s'ouvrent en délai. T'as d'abord celui du haut qui s'allume. Ouais. Et après, les autres se rabattent petit à petit de manière à ce que ceux qui font que 1 vont tomber directement en bas. C'est pour ça qu'ici il y a des vines. C'est pour les faire ralentir. Et en fait, il n'y a que les magma cubes qui vont descendre, les magma cubes les moyens. Qui petit à petit vont descendre sur les côtés d'un par un. Les gros, quand ils pop, ils prennent les dégâts de ce côté-là, donc ils vont finir par tomber en moyen. Et les moyens, en fait, les moyens et petits finissent par mourir ici, en fait. Ok. Et donc c'est une cloque qui active tout ça. En fait, c'est une cloque. Il faut juste, par rapport à celle qui est ici. Faut la délayer, quoi. Alors, le... Et on va le faire monter ici. En fait, il faut Ah oui, taper t'as pas relié la au-dessus. cloque. T'as mis un bouton. Ouais, pour moi, j'ai pas relié à la cloque. Hop. On voit qu'on pourrait le faire plutôt. Enfin, non, c'est très consommateur. Tu sais, avec les pistons comme on a fait sur la. Ouais. On a fait sur la table. Ouais. Voir au niveau des délais. Parce que là, ça fait carrément laguer les torches en fait. Hein. Faudrait mieux plutôt un ascenseur à dalle. Hein. L'ascenseur à dalle. Ouais. Comment ça? Bah, une dalle alternée gauche-droite, vers le haut. Pour faire monter la redstone directement. Ah oui.
Tank, je capte pas pourquoi il me fait ça, lui. Non, mais c'était bien tout à l'heure là. Pourquoi il m'a fait. Pourquoi il reste allumé? C'est qui lui met du courant là? What? What? C'est qui émet du courant? C'est magique. It's magic! Ah non. Ah, c'est pour en dessous? Ouais. Ah bah voilà, elle est là. Voilà. Bah en plus le timing est parfait. Donc c'est pas si mal. Là, on va mettre un, on va me faire spawner un ici. Et il se fait grinder direct. Ah non! Ah oui, mais c'est parce qu'en dessous c'est pas fermé. Pourquoi d'ailleurs c'est pas fermé? Hop. Voilà qui devrait être fonctionnel. Hop. Bon, et les blazes aussi. Mais les blazes mettent plus de temps à descendre. Bon, des fois sur les vines, ils mettent un peu de délai à tomber. Mais voilà le principe de la machine. Et après, ben ça voilà, ça c'est une colonne. Ici, on est au milieu, c'est là où on va envoyer le courant. Donc après, il y a juste besoin de faire le symétrique par rapport à cet axe-là. Et celle-ci, à chaque fois, en fait, on fait le symétrique pour pouvoir balancer l'autre côté. Donc avec les pistons qui vont être ici. Hop. Et puis on fait le symétrique, on refait le symétrique, on refait le symétrique. C'est très la symétrie. Eh ben oui. C'est bon pour vous? Ouais. Wesh wesh. Allez mourir. Ouais. Non. Pourquoi? Alors, on a été où? Ouais, du coup, c'est beaucoup plus sombre là ici. Oh, salut les gars, vous êtes morts? Ouais. Je suis désolé, il est peut-être possible que vous entendiez du boum boum, parce que toujours pareil. Boum boum boum. Ouais, ouais, on l'entend. Sérieux? Ah, j'ai cru entendre. Putain. Ah non, quoique, j'ai dû rêver en fait. Ah là 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 là. Alors, on va chercher des blocs de stone? Ouais. Chez moi. Je vais poser un peu de merdier là. Histoire de se faire un truc un petit peu joli. Au pire, tu lui casses le bras, hein, il pourra plus. Plus faire de travaux. Je crois que ça a une incidence sur le cerveau. C'est le bras de qui? Pas sûr. Si ça marche, je le fais. Ah non, je comprends pas. Allez, en route. Je comprends pas ce genre de choses. Elle le fait le mercredi après-midi quand ça dérange personne. Sauf toi. Ouais. Quand il croit que ça dérange personne. Ouais, voilà, c'est comme ça. Comme s'il le sait, cette espèce d'âne. Ah bon, bon? Tu lui as dit? Ouais. Je sais pas comment je t'ai pas touché, là. Pourquoi? Je sais pas non plus. Tu m'as visé? Non, pas toi, Toy. Ouais. Parce qu'il est passé devant moi au moment où j'ai tiré et elle ma flèche lui a traversé la tête et a tapé le gars, le blaze. Une flèche quantique. Où est-ce qu'on va là? Je sais même pas. J'ai juste cherché des trucs et des machins. D'accord. Je on crois. Va prendre de la stone pour commencer à définir en tout cas la zone. Puis après éventuellement si jamais vous avez d'autres idées. C'est bien, on peut regarder hein. Derrière soi avec un escalier comme ça tu regardes vers le bas. Hop, t'es prends la ici la stone. Tu les as dans ces deux coffres là. Il y en a plein. Ouais, de la stone. Quoi qu'attendre, de la stone. On va se prendre de la dirt aussi. Pour commencer à se faire une plateforme. Ça fait mal, je vais avoir un under chest là. Ouais, je suis full stone. Non. Tu passeras pas. Et
Du gravier aussi. Non, pareil. Je suis passé juste après. Hop, le reste Ils sont encore en train de se la mettre? Oh ouais. Notre grosse flèche. Et Chrome, pourquoi tu prends 20% de mon processeur avec 3 onglets ouverts? Oh, c'est Chrome. Ce qui doit analyser aussi tous tes fichiers qui sont en cours, récupérer toutes les informations personnelles. Voilà. T'es chez Google là, tu sais. Et ensuite, il te fait des belles pubs bien ciblées. Salut, oh, salut, salut. Alors, les squelettes, ils ont combien de cœurs? 20? Oui. Donc, il faut les faire tomber de 42 blocs? What? Oui, pour le faire tomber un cœur. 40 et des blocs, ils seront morts. Non, c'est Ah non, 23. Non, je vais regarder non, non, sur non, le wiki, 23, attends. 22, 22. 23 Oui. heures. 22. 22. Ah non, il faut les faire tomber de 23. Parce que Sérieux, on là, peut. le blaze qui me spawn juste devant, là, il est fou, On quoi, là. peut tomber de 3 blocs sans prendre de dégâts. Ouais, donc c'est 22. Donc Oui, c'est 22. 23. Non, 23, il meurt. Ah non, parce qu'on peut tomber de 3 blocs sans prendre de dégâts. Et donc à partir de 3 blocs, tu comptes oui, d'accord, Non. que vous avez raison. Je demande pour de mon erreur. Si tu les tombes à 23, ils vont mourir pile poil. Pile Ouais. poil, ce qu'il faut. Oh. T'es Alors. content, eh. Du coup, on va poser quelques blocs, hein, parce que là, ça va pas tarder à être la mort. Moria. Ah non, c'est pas la même chose. Hop. Bon, en fait, je sais pas pourquoi on est venu là, ouais, mais. Il y a un pigman chez lui. Oh, vous pouvez vous le Hello, faire si vous Victor del voulez. Sanchez. Alors, à partir d'ici, 1, 2, 3, 4, 5. Oh mince, je sais plus si c'est la partie supérieure ou inférieure. Non, Ah, c'est toi non. quel truc. Ça y est, ils sont en train de se taper dessus. Voilà, je vais regarder vite fait. C'est par où? Non, on va éviter. Perdu. Alors, par rapport au chemin. Oh. Je vais peut-être aller enfiler une armure spéciale construction de ferme 2, dans un endroit 3, très dangereux. 4, 5. Ah bon? Le sixième est au-dessus. Je pense que ce serait 1, intelligent, ouais. 2, 3, Prendre une 4. épée de merde, une pioche de merde et Et tout le en. cinquième est au-dessus, donc c'est. Ah, ça m'a donné une idée, ça. Bonne idée. Hop, on va se faire un screen. Quitte. Fais-moi avancer. Alors, je vais t'aider. Non, non, t'arriveras pas. Loupé. Aïe, Ah, je t'ai ok. aidé. Ah, tu passes par là, toi. What the fuck? Non, moi Et ouais. j'allais au spawn en fait, je vais récupérer une armure. Une autre armure. Ok. Une armure de pauvre. Comme toi. Voilà, j'ai mon screen. Alors, on a fait combien ici? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, et le sixième est en extérieur. Yes, oui, ton nom. C'est d'un calme le Nether? Voilà, d'un coup, vu que ça peut plus spawner, oui. Hop, 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 Ah! hop, hop, Ah, j'ai du spawn ouais, par là aussi. Y'a un wizard qui a spawné là-bas, là. Où ça? Je suis à 7, 6, 7. Là-bas? Mais vous le voyez, vous? Bah là, il vient de Non. disparaître, il vient de spawn.
Mais il a spawné sur la Ah forteresse ouais, là-bas. sur la forteresse là-bas, mais c'est parce qu'on vient d'y passer. On est passé à côté. Ah ouais, ok. Bah, il a disparu de toute façon. Les bots feather falling. J'ai oublié de déposer mon. Bon, on te laisse faire la cage et puis ensuite. Je suis pas en train de faire une connerie. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est bon. La 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 la. Youhou. Yes, oui, tout Six. Oui, bien sûr, pas capable de sauter dans la lave comme ça prend une potion de résistance au feu. Oui. Ouais, t'es pas capable de C'est mourir. ça qu'à faire. Bon, moi je suis cap, hein, regardez. T'es cap ou t'es pas cap? Oh, ma vie c'est un YOLO. Alors attendez, Un je vais le yo-yo? faire. Je vais le faire ici, tiens. Comment se rendre intéressant? Ouais, regardez-moi, C'est ça. regardez-moi, je vais mourir, je vais mourir. Regardez-moi mourir. Vous êtes prêts? Allez, vas-y, meurs. Tu veux un peu d'élan? YOLO! Oh putain. Ah, ça C'est pique quand même. bon. Tu brûles un peu, non? Bon, par contre, j'ai un cœur et demi, hein, donc. En fait, j'ai touché le sol. Attention, attention, attention. Non, non, c'est bon, j'ai pris la potion. Je vais aller Tu régénérer. les pètes. Délire. Ah, je me suis pas vu en replay, trop tard. Alors. À partir I will be back. d'ici. On l'a fait J'ai quoi dit en combien quoi il en l'enfer? faut? 1, En combat? 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Est-ce que j'ai d'autres potes avec du Featherfalling? 4 et 5, pile poil. Raté. C'est bien ça, il a manqué un. Ah, un ghast. Ouais, là. J'ai pas de flèche moi par contre. T'as quelques flèches en J'en rang ai ou pas? plus, moi. Ah, merde. Non, j'ai pas. Attaquez-le la patate. Ouais, il est un peu loin pour la patate là. Hop. La patate. Ouais, puis merde, vous me protégez. Merci. Attention, Wartime Toi aussi tu le fais la entre en jeu. patate? Ok, fail. L'homme. Une passion. What? Pourquoi je l'ai pas eu? Ah bah voilà. Mon précieux. Ça me faisait penser à ça. Cinq, six, sept, huit. Toi aussi, t'apprends tes viewers 9, à compter 10, jusqu'à 11. 10. Oh, 11 carrément. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Je suis à la 7, ramasse, 8, 9, 10, 11. C'est bon, normalement. Donc, il n'y a plus qu'à faire les autres côtés. J'arrive.
si je retrouve le chemin. Quoi, tu t'es perdu? Non mais dans le hub je me perds toujours, tu sais, je tourne en rond jusqu'à quand trouver le bon portail. J'arrive jamais à me repérer. Il faudrait le coloriser dans chaque coin, comme ça on repère directement. S'il est symétrique entièrement, c'est dur de se repérer sans avoir un repère visuel. Qu'est-ce que c'est que ces flèches? Ok, c'est un squelette. Bijou! Là, techniquement, si je te pousse, tu meurs. Ouais, Techniquement. c'est à peu près ça. T'as une potion? Non, 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 j'en ai pas. Tiens, au cas où, si je te pousse. Ouais, au cas où. Au cas où je Au cas fasse où un je te acte de pousse, vandalisme pur et voilà. simple. T'as vu, je suis swag, hein, comme ça. Brilles. J'ai des bottes Feather Falling. J'ai l'essentiel. D'ailleurs, j'ai du Fire Protection sur un des trucs, ouais. Bon, c'est juste comme ça. Hein. La limite, ce que vous pouvez faire, c'est commencer à mettre de la. Par rapport à l'endroit le plus bas, mettre de la. De la dirt. Dirtiser la chose. Ouais, on a pris de la dirt. T'as un pousse-toi-toi, tu peux pas poser. 53 ici, mais c'est tout. Ouais. Ça suffira pas. Il y a du gravel. Qui c'est qui a amené autant de gravel? Je vais aller Moi, chercher de la c'est dirt pour chez lui, en j'en dessous, reviens. pour enlever la lave, peut-être si on en a besoin. Non, mais en fait, la dirt, c'est moi qui l'ai. Je l'ai pas Ok. posée. Merveilleux. Mais c'est à J'ai la même fini le couche que la tour du stone coup. brick, du coup. Ouais, la couche basse, ouais. Je veux de la dirt. Je veux de la dirt. De la dirt bronze, ça tient Je sais deux pas, il est secondes. en bas, il fait des trucs. Il est où le petit jus? Jujou! Voilà, Youhou! je suis là. Ah, merde, Venez je prendre votre l'attendais. dirt, les amis. Ah ouais, on va se prendre de la dirt. Il dit qu'il est là, mais je le vois toujours pas. Puis après, faut péter les piliers, faut tout nettoyer. Ouais. T'en manques? Tiens, prends de la dirt toi aussi. C'est de la Oui, bonne. merci. Je vais commencer de l'autre côté alors. La bonne dodorte à sa mère, comme dirait le roi. À son pépère, la Dodorte à son pépère. Ouais, j'en ai presque plus. J'aurais dû en prendre plus. On casse les piliers? Ouais. Ouais, faut tout péter, ouais. Je laisse les casser parce que moi j'ai une pioche de merde. Corner dirt, ouais. Ce sera donc notre plateforme anti-mort, enfin, quelque sorte. Exactement. C'est notre dernier espoir. La la la. J'en ai plus. On est sauvé. Ouais, j'entends un gaz par Ou là. pas. Oui, d'ailleurs, la dirt pour les ghasts. Il devrait pas spawner énormément si on reste Sur toute la constant hauteur, hein, ici. on verra tout. Ouais, garder juste la croix au milieu qu'on puisse se balader plus facilement.
pas qui c'est qui est passé à côté de moi, je crois que c'est toi, il a failli prendre un coup de pioche. C'est moi. C'est toi. Ah, on casse carrément toute la... Ok. Et alors, qu'est-ce qu'ils nous disent dans le chat? Continue à être sage ou pas, et nous? Oh, t'as cassé de la cobble. Ouais, ça va. Ça va? À peu près. Tu mets pas souvent la cam quand tu fais des règles? Non, c'est la première. Enfin, sur Minecraft, c'est la première. Ah, ok, t'as des gens qui s'étonnent, c'est pour ça. Il y a sa tronche! Bon ben voilà. Oh c'était sympa. On a plus besoin de descendre là. Si. Enfin c'est pas qu'on a pas besoin de descendre, c'est qu'on a très forte chance de tomber donc ça serait bien qu'on puisse remonter de temps en temps. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est quoi que t'as pas compris? Ouais, je suis passé par là pour essayer d'éviter de me prendre des dégâts. Et en fait, j'arrive quand même à me prendre. Cage faite. Va peut-être se... On le fait comment les contours en verre? Le problème des verres, c'est que... C'est qu'il n'y en a pas en fait de problème. il en faut combien? Ça fait 10 par 18 par 19. 190 par 4. Non, plus que ça par 12. Et, il en faut beaucoup. On va partir déjà sur 190. 190 par 4. Ça fait presque 400. Allez, 190 par 4 divisé par 72. Le premier dans le chat qui dit le truc, il a gagné. Ouais, il a gagné. C'était pas pour toi. Dis. Non, pas toi. Dis. Écoute le replay, vite, vite, vite. Trop tard. Putain, trop tard, non. De quoi? J'ai pas eu le replay. Le bon. 42 stacks. Mais faux, 42 stacks de verre. Non, 42, il te troll, c'est tout. Non, je sais pas. J'ai même pas entendu la question. Mais 190 par 4... Bah ça fait pas 42, 59, c'est pas 4. Divisé 45. Par 45. Ah 90. 190 par 4. Ah fois 4. 64. Ah ça fait 11 stacks. Bah tu divises par 16 quoi. Bande de nous. 90 par 16. Ça fait 11, ça fait 12 stacks. Et hop, c'est parti pour 12 stacks de verre. Ouais. Et c'est surtout parti pour beaucoup de cuisson. Mais du coup, pendant qu'on fait la cuisson, on va faire une dernière page de pub, je pense. Et puis après. Puis après, on va partir sur la dernière heure du live. Non, je peux plus courir. Donc, du coup, petite page de pub et on se retrouve dans 5 petites minutes. Et à tout de suite.